caméra est partie, c'est bon, on peut y aller. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la dernière vidéo de Noël. C'est pas vraiment une vidéo de Noël, c'est plus une vidéo temps des fêtes, je dirais, puisque la veille du jour de l'an s'en vient très bientôt et j'ai décidé de vous présenter mon maquillage de la veille du jour de l'an, donc celui que je vais faire. Alors, si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Je commence par venir appliquer une ombre à paupières crème comme base pour appliquer mes fards sur toute ma paupière mobile. Donc, c'est juste une ombre à paupières beige, blanche, tout simplement. Mary Kate and Ashley. Je viens vraiment d'appliquer partout, même jusqu'à l'arcade sourcilière, parce que quand je vais venir monter mes ombres à paupières, mais comme ça, je suis sûre qu'ils vont vraiment bien tenir là toute la soirée. Par la suite, avec ma palette de ELF Hot Treat, je vais prendre un beige tout simple pour unifier ma paupière, donc pour qu'on ne voie vraiment aucune veine bleue, parce que sinon, c'est pas très joli. Par la suite, je viens mélanger ces deux petites couleurs dans mon creux de paupière. Donc, vous allez voir, c'est un look très dans les tons rouge et rosé. J'en applique quand même vraiment une bonne couche. Là. Je veux que ça paraisse beaucoup. Donc, par la suite, je vais venir prendre dans ma palette ici mon rouge pour venir appliquer sur les deux autres couleurs que j'ai appliquées auparavant. Donc, ça va venir intensifier vraiment le rouge. Je viens estomper les deux couleurs ensemble. Pour foncer un peu le tout dans mon creux, mais vraiment creux de paupière, j'ai mélangé un argent puis un mauve foncé pour vraiment juste foncer le tout. Et bien sûr, j'estompe. T'as essayé de venir faire mon trait de liner, mais cette fois-ci dans mon creux de paupière, donc il va y avoir comme deux traits de liner, avec un fuchsia, donc c'est de la palette Lise Wattier, rose diamant. Donc je monte vraiment une petite virgule, mais pas sur mon ratil comme un trait de liner habituel, mais dans mon creux de paupière, et je viens estomper. Par la suite, j'avais pas choix de ne pas mettre cette couleur, j'étais obligée de mettre le classique or sur ma paupière mobile. Donc juste pour rappeler la touche que c'est Noël, quoi. Mais vous pourrez remplacer par une autre couleur que vous désirez. Bon, je vais faire ma touche lumière et mon coup de propre sous l'arcade sourcilière, comme à l'habitude. Et là, je viens faire mon trait de liner avec mon liner en feutre à Riposa. Donc, je viens me faire un trait de liner tout fin, simple, vraiment, là, pas un gros trait épais. Ces temps-ci, je suis plus sur les traits de liner fins. Pour accentuer mon trait de liner, je vais mettre des paillettes argent, donc c'est vraiment un traceur liquide à paillettes argent, juste sur ma virgule. Je trouve que ça donne un effet vraiment festif pour Noël, je trouve ça super beau. Autant j'aime reproduire ce look tout simple à l'école, mais je mets des petites paillettes juste pour Noël. Alors je vais mettre mon mascara Volume Million Lash et par la suite, je mets aussi mon mascara Rollo Lash. Je vais faire mes sourcils avec mon crayon Marcel dans la couleur Granit. Je viens bien sûr les brosser. Par la suite, je viens appliquer la base pour le teint Smashbox pour être sûr que mon teint tienne toute la soirée. Je viens appliquer mon fond de teint Fit Me dans la teinte 135, donc vraiment partout, uniformément. Je me rends même jusqu'aux oreilles pour être sûr que ça soit uniforme et qu'il n'y ait pas de démarcation. Et par la suite, avec ma pointe en fait de mon éponge, je viens faire sous mes yeux, donc juste pour cacher mes cernes, mais avec mon fond de teint puisque je n'ai pas de cache-cernes. J'espère que ça va être une vidéo qui va vous plaire, même si c'est la dernière vidéo de Noël. Toutes mes vidéos de Noël sont dans une playlist que je mets en barre d'infos. Par la suite, je viens matifier le tout parce que j'ai une peau à tendance grasse, donc avec ma poudre Fit Me. Dans la teinte Beige Sable 210. Je viens me réchauffer un peu le teint tout simplement avec ma palette Hot Shot. Il y a plusieurs bronzeurs, donc je viens juste en mettre un peu pour avoir l'air un peu plus bronzé.
Par la suite, bien sûr, je vais mettre un coup de blush et mon blush ici va être très, très pimp, un beau rose vraiment bien flash. On peut se gâter. Pour l'enluminateur, j'en ai pas, alors je vais prendre des ombres à paupières. Donc, une en premier, c'est une dorée, donc elle est dans ma palette Hot Shot. Et la deuxième, c'est une ombre à paupières bleue. Donc là, ça peut faire un peu peur. Mais en fait, c'est quand on la met sur l'œil, ça, y a pas de teinte. C'est juste des paillettes dans, avec un peu de bleuté. Et je trouve que ça fait vraiment un bel effet, comme highlighter. Ça fait vraiment trop beau. Il y a comme des micro paillettes bleues. Bon, bien sûr, je viens appliquer mon rouge à lèvres rouge, mais avant ça, pour être sûr que tout tienne parfaitement toute la soirée, j'ai appliqué un crayon à lèvres de Avon dans la couleur Bec Corail. Et par la suite, mon rouge à lèvres. Donc ça aussi, c'est un classique sur lequel je ne peux pas passer. Donc voilà le look complet. Si vous le reproduisez, n'oubliez pas de m'envoyer, me taguer sur vos photos. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser un commentaire si vous avez des idées de vidéos. Si vous m'avez jamais vu de portrait, je m'appelle Marjane Beauséjour, j'ai 13 ans, je fais YouTube, ça fait un an, je poste mes vidéos le mercredi. S'il y en a une le mardi, c'est que ça signifie qu'il y en aura une le jeudi. Et je t'invite à cliquer sur le petit bouton abonné pour faire partie de la famille Beauséjour. Si t'es déjà abonné, clique sur la petite cloche juste à côté pour pouvoir voir toutes mes vidéos donc quand ils vont sortir. Sinon, je vous invite tous à aller liker les pages Facebook Marie Makeup, Cinémaniac Junior, Cinémaniac Destination, la page Cinémaniac et d'aller voir le site web Cinémaniac pour voir les concours de films en avant-première auxquels vous pouvez y participer depuis. Moi, je pose un article par semaine ou par deux semaines. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Mouah!